Tiens, quelle bonne coque! Ah, bonne texture, j'aime bien, franchement! Eh mec, trop tard, qu'est-ce que t'as à être posé comme ça depuis quelques heures? C'est juste que je suis un petit peu inquiet à propos d'une chose. Tu te souviens de ton combat contre l'être originel? Oh, tu parles de ce bâtard qui voulait remplacer toutes les bouteilles de Pepsi par le Coca? Mais bien sûr que je m'en souviens de ce gros fils de pute! Je dois juste prendre la précaution que là, les pouvoirs de l'être originel ont bien été remis dans la relique. Si dans le cas contraire, la relique est vide, le pire peut arriver. Ah ouais, t'as raison, c'est encore un autre gars qui veut remplacer toutes les bouteilles de coke, c'est la merde. C'est pour ça, Pataglise, de mon côté, je vais faire des recherches. Pataglise, pourrais-tu me transporter à l'endroit où était la relique originale? Bah, je crois que je peux faire ça, vas-y, tiens. Ah ouais, putain, celle-là, je l'ai bien trouvée comme coke. Wesh, Pataglise, tu peux me passer un peu de coke, s'il te plaît? Putain, mais Karim, pour la deuxième fois, non, c'est ma coke, t'as qu'à trouver la tienne et arrête de gratter. Putain, je le savais, depuis que tu fais tes trucs chelous, là, avec tes auras, t'es trop devenu un radin. Mais qu'est-ce que ça me casse les couilles aussi? Eh, on t'a déjà dit, t'étais tellement moche que tu ressortais du décor. Ah, ça y est, tu commences à te vexer, du coup, tu clashes sur le physique. C'est quoi, de toute façon, ta coke, elle a éclaté. Et nique ta mère, pourquoi tu veux rajouter comme ça avec ma coke? Ok, tu vas jouer comme ça, de toute façon, t'es obligé, t'as pas été fini, déjà, t'es tellement con. Et en plus, obligé, ton père, il t'a sorti de sa teub. Regarde ta gueule, on dirait une flaque de sperme. Wesh. Ma... là, t'es parti trop loin, mec. Tu veux clasher? Bah, prends-toi ma boule de feu rose! Putain! Voilà, tu fais le fou, bah maintenant voilà! Putain! Ouais, ouais. T'as peut-être raison au final. Non, mais comment ça? Moi, je vais pas faire ma pute, je vais me venger, tu verras! Ah, la coke, ça attendra plus tard, là, j'ai besoin de conseils sérieux. Ouais, c'est lui le gars pour ça. Je suis vraiment dans la merde niveau thune. Putain, il me faudrait un bon sujet de vidéo bien putaclic pour attirer les gens et me faire masse thune. Chouuuun, j'ai un service à te demander. Putain, qu'est-ce que tu me veux toi encore? Bon, même si t'avoir toi c'est moins pire que avoir Badjoumi, tu fais quand même chier. Qu'est-ce que tu me veux encore? Tu vois, commence pas à faire les fous avec tes flingues, tes pièges ou je sais pas quoi. Juste un service à te demander que seul toi pourrais résoudre. Bon, si tu veux en échange, je te passe de la thune ou je sais pas quoi, mais s'il te plaît, pour une fois que je te demande un truc, réalise. En gros, il t'a juste terminé. Bah, en vrai, ouais, t'as un peu raison, mais non, mais c'est pas ça. Bon, vas-y, apprends-moi comment lâcher de grosses punchlines, histoire de bien terminer Karim. Bon, si tu veux, je peux t'apprendre 2-3 trucs pour lâcher des punchlines assez violentes. On va déjà faire un test, flaque de sperme. Moi, flaque de sperme, bah, toi, nique ta mère. Putain, on a un niveau, même les haters 5G ont une meilleure répartie que toi. C'est vraiment la merde, je vais pas te mentir. Et niveau tête du test, tu l'as compris, tu l'as un peu raté. Bon, déjà, va falloir un petit peu travailler le vocabulaire. Bon, pour ça, porte-moi Jean-Marc. Attends, c'est qui encore lui? Mais si, tu vois le mec qui parle bizarrement. Hein, je vois. Bah, vas-y. Mais quelle étrangeté, j'étais téléporté ici comme par magie. Oh, bien le bonjour, Amael. D'habitude, t'aimes pas accueillir les gens dans ta demeure. J'ai souvent l'habitude d'avoir le droit à tes petits pièges, qui ne sont pas très rigolos, je vais te l'avouer. Tu peux m'expliquer pourquoi on a ramené ce bouffon, en fait? T'inquiète, tu vas vite comprendre. Bon, Jean-Marc, t'as le choix, soit je te flingue, soit t'apprends à moi à pas te glisse. Compris. Je savais bien qu'avec toi je ne pouvais pas être totalement serein. Bon, soit. Patagui, est-ce que dirais-tu d'apprendre le mot ornement? De quoi? Bon, je pense que tu as compris avec lui, tu vas apprendre tous les mots compliqués du dictionnaire. Ça va un petit peu élargir ton vocabulaire et ce sera assez bien pour lâcher de bonnes punchlines. Après, pour le reste, tu viendras me voir. Moi, je me casse. Alors, Patagui, est-ce que veux-tu apprendre d'autres? Ouais, putain, ça va vraiment être la merde. Bon, vas-y, je sais pas, tout ce que tu veux. Bien, bon, je t'ai juste appris les bases, c'était assez sympathique, je trouve. Comment ça, juste les bases? Bon, au moins t'auras retenu quelque chose. Bon, je pense que si je dispose, Amaï ne m'en voudra pas. Oh, Amaï, aurais-tu l'obligeance de continuer notre entraînement? J'aimerais tant apprendre de nouvelles choses avec toi concernant les punchlines. Mais putain, je m'en ai parlé comme lui, voilà! Casse les couilles! Au moins, ça aurait été efficace. Bah, vas-y, téléporte-nous dans un endroit, je vais tout apprendre. Maintenant je suis prêt, Karim, je vais terminer. Chant, t'es où Karim? Désolé pour la dernière fois, mais j'ai un truc à te dire. Ouais, je vais être sincère avec toi, ce que tu m'as dit la dernière fois, ça m'a beaucoup marqué, et du coup c'est pour ça que je vais te lâcher un gros freestyle. Prépare-toi. Ok Karim, ça fait 17 ans qu'on se connaît.
Depuis que je t'ai connu, t'as toujours eu plein de boutons de partout. En te voyant, je me dis que t'as fait 17 ans de puberté. Regarde-moi ce ornement de boutons d'acné que t'as. Après cette punchline que tu m'as lâchée, tu croyais pouvoir t'en tirer. Mais le seul qui a pu tirer ici, c'est moi avec ta mère. Et sauf que toi, ta daronne, elle était pas noire. T'as peut-être de grosses punchlines, mais quand on doit passer au point, t'es un très grand couard. Voilà, Karim, c'était un petit couplet pour me venger de cette grosse punchline que tu m'as lâchée. Mais moi, je t'ai lâché une bombe. Ah, t'as fini? Ouais, d'accord, c'est... Ouais, c'était sympa, ta truc. Mais pourquoi vous réagissez pas, vous? Mais pourquoi tu utilises des mots galères aussi, ornement, je sais pas, quoi, truc, parle français, wesh. Pourquoi tu fais trop le gars par utiliser des mots compliqués? Non, en fait, t'as juste pas assumé que j'étais terminé, voilà, t'as voulu faire le gars, te venger. Au final, sans tes trucs d'aura chelou, en fait, t'es juste un gros fragile. Ah bah vas-y, moi je rentre. Et putain, j'avais que lâcher des mots compliqués dans une cité, ça ne servira à rien. Mais vous aussi, ils sont trop cons, les gens, ici, putain. Cassez couilles. Vas-y, tout ce que j'ai fait, en fait, ça servait à rien. Cassez couilles. Pataglisse, j'ai quelque chose de très important à te dire. Pourrais-tu me téléporter à la cité, s'il te plaît? Tu dis quoi? Oui, en effet, maintenant, je peux parler par télépathie. J'ai débloqué ça comme par magie, voilà, mais téléporte-moi, c'est urgent. Vas-y, ça a aucun sens ce qui se passe dans ma vie. Vas-y, je te téléporte. Mais c'est pour me casser couilles, sache que je suis pas d'humeur. Merci bien, Pataglisse. Pataglisse, comme tu peux le voir, je suis aux côtés de la relique. Cependant, il y a un énorme problème. Ah vas-y, c'est quoi, accouche? Bah je vois pas le problème, comparé à la dernière fois, il dégage aucune énergie. Il est justement là le problème. En temps normal, la relique sert à contenir les pouvoirs incommensurables de l'être originel. Cependant, si elle est vidée de cette énergie, on peut facilement déduire que les pouvoirs de l'être originel ont déjà été réveillés. Plutôt au moment où t'as vaincu l'être originel, ses pouvoirs ne se sont pas réendormis. Ce qui me paraît étrange, c'est que pourtant tu as tué son premier hôte. En temps normal, les pouvoirs de l'être originel auraient dû retourner dans la relique. Et c'est à ce niveau-là où j'ai vraiment très peur. Oh, je vois que vous commencez enfin à comprendre la menace que je peux représenter. Putain, encore toi, sale bâtard! Et la dernière fois, tu t'es bien enfui comme une tapette, là, viens te battre! C'est donc en toi que repose les pouvoirs de l'être originel. Réponds à ma question et pas dans ton loop. Ça, je te laisse deviner. Cependant, si je suis là, c'est plutôt pour m'amuser. Enfin, pas vraiment, c'est plutôt pour tester quelque chose. Le premier, ça va un petit peu piquer. Ah bah là, tu veux te battre! Je t'attends! Bon, je maîtrise un peu mieux les pouvoirs, mais ça manque de précision. Bon, pour cette fois, je vous laisse à vous seul. Mais il est possible que dans un certain moment, mes pouvoirs atteignent des niveaux encore plus forts que celui-ci. Faites bien attention. Allez, on. Putain, quel bâtard! Ah, mais on peut même pas le toucher avec sa brume de merde! Putain! Ça va, mec, trop dark? Oui, merci, Pataglisse. C'est bien lui que les pouvoirs de l'être originel sont contenus. Mais la question c'est qui est-il? Enfin surtout, quelle est cette chose? Et quelles sont ses intentions? Mais putain, c'était une journée de merde, j'ai fait un freestyle, ça servait à rien. Et puis y a une brume chelou qui vient me casser les couilles, putain. Ah vas-y, je crois, je sais pas ce que je vais faire. Hé hey, José, toi le nouveau de la cité? Oui, Pataglisse. Eh ça te dirait que je teste 2-3 trucs sur toi? Quel genre de truc? Ah t'inquiète, c'est pour le travail. Ah c'est pour le travail alors, attends. C'est donc sa manière à lui de gérer la situation. Tu as raison, nous devons nous entraîner. Soyons plus forts, Pataglisse.